Dios ha puesto puertas de bendición. Dieu a mis des portes de bénédiction. Por eso le dijo Dios a C'est pour ça que Dieu a dit a Pedro, a Pierre, tú tienes las llaves del reino, a ti te entrego las llaves del reino. Tu as les clés du royaume. Porque hay muchas cosas que Dios ha abierto. Il y a beaucoup de choses que Dieu a ouvert. Para el pueblo cristiano, para los hijos de Dios. Pour les enfants de Dieu, pour le peuple chrétien. El problema es que no leemos la Biblia. Le problème c'est qu'on lit pas la Bible. Y siendo ricos vivimos como pobres. En étant riche, on vit como pobre. La pobreza no está en el dinero. La pauvreté n'est pas dans l'argent. Ni tampoco la riqueza. Ni non plus la richesse. La pobreza está en la mente. La pauvreté c'est dans la mentalité, Hay dans les pensées. Hay gente que ya es pobre en su mente. Il y a des gens qui sont pauvres dans le pensée. Y vive como pobre. Ils vivent comme pauvres. Habla como pobre. Parle comme un pauvre. Camina como pobre. Marche comme un pauvre. Porque tenemos tenemos el rechazo en nuestro corazón. Car nous avons le rejet dans notre cœur. Y a veces aparentamos ser pobres. Des fois, on a une apparence d'être pauvre. On veut apparenter d'être pauvre devant les autres. Porque si no te ven que eres pobre, te si on ne te voit pas que tu es pauvre, on croit que tu es orgueilleux. Antes creía la gente avant, les gens croyaient que si andaba sin zapatos, estaba bien. Si tu étais sans chaussures, c'était bien. Tu étais bien. Porque representas a un pobre, representas a Dios. Car tu représentes un pauvre, tu représentes Dieu. Dice la Biblia que Jesús hizo pobre para que tú y yo seamos ricos. La Biblia nos dice que Jesús se fait pobre pour que nous soyons riches. Para que seamos prosperados en todo. Pour que nous soyons prospérés en tout. Si Jesús estuviera en esta época, de repente estuviera predicando con un saco. Si Jesús serait dans cette époque, peut-être il va prêcher avec une veste. Jesús, Dios no es religioso. Dieu n'est pas religieux. Pero la palabra es espiritual. Mais la parole c'est spirituelle. Y la palabra tiene que entrar en nuestro espíritu. La parole doit rentrer dans notre esprit. Hacerse carne y hacerse vida. Y se faire chair, y ser parte de nuestra vida. Et faire partie de notre vie. Entonces, tenemos que caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Donc nous devons marcher en accord à la parole de Dieu. No en apariencia. Pas en apparence. Pero sí vistiendo decorosamente como dice la Biblia. Mais en s'habillant d'une façon bien decorosamente. Tu dois être bien habillé, correctement, correctement. Los reyes que Dios nombró, les rois que Dieu a nommés, se vestían bien. Ils s'habillaient bien. Tenían su trono. Ils avaient leur trône. Tenían su cetro de autoridad. Ils avaient leur cetre d'autorité. Dios los bendecía. Dieu les bénissait. Si se portaban bien, Dios los bendecía. S'ils se comportaient bien, Dieu les bénissait. S'ils se comportaient mal, Dios los castigaba también. Dieu les châtiait. Mientras estaban correctamente alineados con Dios, todo iba bien. Qu'il s'était aligné avec Dieu, tout était bien. Cuando dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios, dice, entonces venía guerras contra él. Le mauvais devant Dieu, il y avait la guerre, ses enfants mouraient. Venían pestes, enfermedades. Il y avait des pestes, des maladies qui venaient. Porque uno tiene que ser lorsque una nous devons persona être constante. Une personne constante. Ese versículo lo voy a leer ahora. Entonces dice ahí, honra a Jehová con tus bienes, coma, y con las primicias de todos tus frutos. Honore l'Éternel avec tes biens, avec toutes les prémices de tes revenus. Dentro de honra, honra a Dios con tus bienes. Honore Dieu avec tes biens. Está allí, estás honrando a Dios con tu diezmo, con tu ofrenda. Tu honores Dieu avec ta dîme, ton offrande. Y está hablando también de primicias. Et parle de prémices aussi. Y entonces Dios promete algo. Donc Dieu promet quelque chose. Si nosotros hacemos eso, si nous faisons cela, si honramos a Dios con nuestros bienes, si nous honorons Dieu avec nos si biens, en primer lugar está Dios, si en la, la première place se trouve Dieu dans nos vies, yo te voy a decir algo, je vais te dire quelque chose. Pones a Dios en primer lugar, lorsque tu mets Dieu à la première place, y buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Dios ha prometido que todas las cosas vendrán por añadidura. Dieu a promis que toutes les choses vous seront données par ajout. Nosotros tenemos que creerle a Dios al 100%, no al 30%. Nous devons croire à Dieu à 100%, pas au 30%. Dios quiere que tú lo honres con tu fe. Dieu veut que tu l'honores avec ta foi. Tu fe, ta foi, en la palabra de Dios, dans la parole de Dieu, le crees a Dios, tu le crois al 100%, à 100%, y caminas en esa palabra, et tu marches dans cette parole, y eso es lo que Dios honra. Et c'est ce que Dieu honore. No es fácil. Ce n'est pas facile. No es fácil ser cristiano. Ce n'est pas facile d'être chrétien. No es fácil. Ce n'est pas facile. Obedecer a Dios en todo. Obéir à Dieu en tout. Pero sí se puede con Dios. Mais c'est possible con avec Dieu.
Avec Dieu, on peut. Con Dios se puede porque Dios es real. Avec Dieu, on peut, car Dieu est réel. Yo en mi vida cristiana, moi dans ma vie chrétienne, hace veintitantos años de mi ça vida, fait vingt et quelques que lo he podido experimentar, que j'ai pu expérimenter. Yo he podido experimentar con mi diezmo, mi ofrenda y mi primicia. J'ai pu expérimenter avec ma dîme, mon offrande et ma primice. Durante años no era pastor y lo hice. Avant, je n'étais pas pasteur et moi je l'ai fait de toute façon. Lo hice desde que no fui líder, no fui nada. Je n'étais pas leader, j'étais un simple frère, je l'ai fait. Je l'ai compris dans l'esprit. Y lo hice. Et je l'ai fait. Entonces, dice, y serán llenos tus graneros con ¿con qué dice? Tes greniers seront remplis. Con abundancia. Avec abondance. Y tus lagares rebosarán de mosto. Los lagares rebosarán de mosto. El mosto, cuves, el fruto, la uva, el fruto, el vino, c'est le fruit du raisin, le vin. Es una representación de que vas a tener en abundancia. Que tu auras en abundance. Y que no te faltará nada. Et que tu ne manqueras de rien. Dice, serán llenos tus graneros con tes greniers seront remplis et tes cuves aussi. Han entendido esta palabra. Combien ont compris cette parole? ¿Cuántos lo creen? Combien le croient? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Une fois, une chose c'est la théorie et une autre chose c'est la pratique. En la teoría amamos a Dios. Dans la théorie on aime Dieu. Pero en la práctica no, a veces no honramos a Dios. Dans la pratique, des fois on n'honore pas Dieu. Porque cuesta. Ça coûte. Porque hay que hacer esfuerzos. Il faut faire l'effort. Porque hay que caminar en fe. Il faut marcher dans la foi. Porque hay que creerle a Dios en medio il faut croire à Dieu au milieu de rien. No ves nada, pero le tu crees vois a rien Dios. Mais tu le crois. Tu fe va creciendo. Ta foi grandit. Vas viendo las cosas de Dios. Tu vois les choses de Dieu. Un hombre que se acostumbró a diezmar permanentemente, a ofrendar a su primicia. Un homme qui a l'habitude de dîmer tout le temps. Que no tiene necesidad. Je vous assure qu'il n'a pas besoin, il n'a besoin de rien. La necesidad viene cuando le besoin vient lorsqu'un enfant de Dieu simplemente no lo hace. Simplement il le fait pas. De vez en cuando. Ou il le fait de temps en temps. Dice la Biblia que persevera hasta el fin, ese será la Biblia nos dice celui qui persevera jusqu'à la fin sera sauvé. Yo tengo que orar todos los días. Je dois prier tous les jours. Porque si no oro todos los días, si je prie pas tous le doy les jours, una puerta, hago una puerta abierta al diablo para que él me tiente. Ouverte au diable pour qu'il me tente. Jesús dijo una palabra. Jésus a dit une parole. Oréis para que no entréis en tentación. Pour ne pas tomber dans la tentation. Entonces quiere decir que si tú no oras, ça veut dire, si tu pries pas, estás expuesto a que el diablo te tiente. Tu es exposé a que le diable te tente. Y por eso que la gente cae en pecado. C'est pour ça que les gens tombent dans le péché. El pecado no viene como una piedra y boom. Le péché no vient pas comme une pierre qui el diablo te frappe. Está trabajando. Le diable travaille. En primer lugar está quitándote las la ganas de orar. Place, il t'enlève l'envie de prier. Y para quitarte las ganas de orar. Et pour t'enlever l'envie de prier. Va a tener que ponerte entretenimientos. Il va te mettre de divertissement. Hay algunos que están en el Facebook. Il y a certains qui sont en Facebook pendant 3 heures. De verdad que no te van a durar. O no par te jour. Va a dar el tiempo. Peut-être not. Otros tienen otras cosas, juegos, ils ont d'autres choses, o cosas des que jeux los entretienen y les quitan el deseo qui y les quitan l'envie de prier. De, primero te entretiene. Premièrement, il te fait un divertissement. Y vas dejando la continuidad. Tu laisses cette continuité de la prière. Y luego et ensuite, ya viene, que ya no tienes deseos. Et tu n'as plus le désir. No tiene el deseo ya de orar. Tu n'as plus le désir de prier. Ya lo tomas como que oras hoy día. Peut-être tu pries aujourd'hui. Et tu pries pour toute la semaine ou pour le mois. Si no oras, si tu pries pas, Dios te dijo que caerás en tentación. Dieu te dit que tu tomberas dans la tentation. Oréis para que no caigas en tentación. Pour ne pas tomber dans la tentation. Jesús estuvo en esta tierra. Jésus a été dans cette terre. Y él oraba todos los días. Il priait tous les jours. Mira, Jesús siendo Jésus en étant Dios, Dieu, oraba todos los días. Il priait tous les jours. Nosotros somos seres nous, humanos, car, nous sommes des êtres de humains carne y hueso, que necesitamos de chair, orar todos los des días. Os, nous avons besoin de prier tous les jours. ¿Cuántos toman su desayuno todos los días? Combien prend le petit déjeuner tous les jours? Todos tomamos desayuno. Nous tous. No nos olvidamos de eso. On n'oublie pas cela. Pero sin embargo, nos olvidamos de orar. Mais pourtant, on oublie de prier. Y no tendría que ser así. Mais ne doit pas être comme como ça. Hijos de Dios, nous, en tant que fils de Dieu, enfants de Dieu, que estar orando nous devrions todos los días. Prier tous les jours. Desde la mañana, depuis le matin. Apenas te levantas, oras al Señor. Apenas tu te lèves, tu pries le Seigneur. Y en los momentos que estás allí, sientes ganas de orar, ora. Tu as envie de prier, tu sens cette envie, tu pries. En la ducha.
tu es dans la douche. A veces estás en el carro y estás peut-être orando. Tu es dans la voiture, tu es en train de prier. A veces estás solo orando. Tu es seul, y agradeciendo a Dios por todo. En remerciant Dieu pour tout. Por la calle, des fois orando, tu marches, tu es en train de prier. Santo, tu dis Saint-Esprit, je t'aime, tu es l'amour siente de ma vie. Presencia. Tu sens sa présence. Si no oramos, entonces caemos, si estamos expuestos a caer en tentación. Si on prie pas, on est exposé à tomber dans la tentation. Si no leemos la Biblia, si on lit pas la Bible, vamos a ser ignorantes espirituales. On sera des ignorants spirituels. No vamos a tener, no vamos a poder resistir al diablo. On pourra pas résister le diable. La Biblia dice, someteos pues bajo la, la poderosa dice, mano de Dios. Sometez-vous sous la main puissante de Dieu. Resistir al diablo, resistir el diablo y fuirá loin de vous. Pero para resistir al diablo, mais pour résister le diable, tú tienes que conocer la palabra tu dois de Dios. Connaître la parole de Dieu. Porque para resistir al diablo, tú pour tienes que hablar diablo, con tu la dois palabra lui parler de Dios. Avec la parole de Dieu. La única arma, la seule arme, la más poderosa, la plus puissante, que puedes utilizar que para resistir los ataques del diablo, pour résister les attaques du diable, es la palabra de Dios. C'est la parole de Dieu. Jesús tuvo tres tentaciones Jésus en el desierto. A eu trois tentations dans le désert. La primera fue el pan. La première ça a été le pain. El diablo le dijo, si eres hijo le de Dios, convierte si la piedra en pan. Si tu es enfant de Dieu, convertis ce pierre en pain. ¿Qué es lo que quería el diablo? Qu'est-ce que le diable voulait? El diablo quería. Il voulait que Jesús desobedeciera. Que Jésus désobéit. A los principios de Dios. Au principe de Dieu. Y que Jesús hiciera algo. Jésus fasse quelque en chose. Contra del orden. En contra de l'ordre. Y que a las piedras lo convirtiera en pan. Qu'il convertisse les pierres en pain. Solamente para satisfacer un seulement deseo. Pour satisfaire un désir. Y Jesús no cedió a eso. Et Jésus n'a pas cédé à ça. Jesús, con la palabra de Dios, Jésus avec la parole de Dieu. Le dijo, a dit, está. Il est écrit. No solo de pan pas seulement du pain vivra l'homme, sino de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Primer golpe que le dio. C'est le premier coup qu'il a donné. Segundo, deuxièmement, con la adoración. Avec l'adoration. Le dijo, todos los reinos me han sido entregados a mí. Tous les royaumes m'ont été donnés. Si tú postrado me adoras. Si tu prosternes, tu m'adores. Moi, je te le donne rapidement. Y ya no necesitas ir a la cruz. Tu n'as plus besoin d'y aller à la croix. Ya no necesitas sufrir, pasar tu n'as pas cosas. Besoin de souffrir, de traverser. Mira, tellement de choses. Regarde, te doy, si tú je te le donne ahora. Si toi, tu t'agenouilles ici maintenant. Y Jesús le dijo, al Señor, tu Dios adorarás y Jésus a dit, au Seigneur, tu l'adoreras, tu le serviras. El diablo te va a querer quitar tu adoración a Dios. Le diable va vouloir t'enlever ton adoración a Dios. Tu comunión a Dios. Ta comunión a Dios. A Dieu. Y él quiere. Il veut que tú te arrodilles ante cualquier cosa que te va a entretener y te va a n'importe quelle chose qui va te entretenir y te va éloigner de Dieu. Si no oramos, si on prie pas, el enemigo viene y nos tienta. L'ennemi vient pour nous tenter. No tenemos una protección. On n'a pas une protection. Si no leemos la Biblia, si on lit pas la Bible, viene el diablo y nos engaña. Le diable vient, il nous trompe. Nos da tristeza. Il nous donne la tristesse. Nos da angustia, il nous donne de l'angoisse. Il nous met en dépression. Tienes miedo a muchas cosas. Tu as peur de beaucoup de choses. Pero si tú tienes la palabra de mais Dios, si tu as la parole de Dieu, a cada ataque del diablo, a tú chaque attaque respondes. Du diable, tu le réponds. Cuando viene el temor, lorsque la crainte arrive, la Biblia dice porque Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio y de amor. De maîtrise de soi. Cuando dices esa palabra, lorsque tu dis cette parole, corriendo. Les esprits partent en courant. Al diablo. Tu résistes au diable. Con la palabra de Dios. Avec la parole de Dieu. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Nous devons le faire. L'Église está leyendo la Biblia todos los domingos, todos los días. L'Église lit la Bible tous les jours. Entonces, todos los días tenemos que leer la Biblia. Donc tous les jours nous devons lire la Bible. Cuando Jesús enseñó el Padre nuestro. Lorsque Jésus a enseigné le Notre Père. Cuando hay algunos que lo tomaron como una oración. Il y a certains qui l'ont pris comme une simple que prière. Qu'il le doit répéter nuestro, tous les jours, mais le Notre Père. El Padre Nuestro fue un ejemplo de a été un exemple de prière. No para repetirlo todos los días. C'est pas pour le répéter tous les jours. Sino para establecerlo en sino nuestro corazón. Pour l'établir dans notre cœur. Eso es lo que Jesús le transmitió a los discípulos. C'est ce que Jésus a transmis aux disciples. Y ahí en el Padre Nuestro dice. Là dans notre Père, il dit. Danos el pan de cada día. Donne-nous le pain quotidien. No está hablando del baguette. Il parle pas de la baguette. Está hablando del pan espiritual. Il parle du pain spirituel que tu dois manger tous les jours. Cada día tenemos que comer chaque pan jour, espiritual. Nous devons manger le pain si spirituel. No nos debilitamos. Sinon, on s'affaiblit.
Y si tú lo comes, y si tú lo manges, si tú cumples con eso, si tú accomplis avec ça, Dios te va a bendecir. Dieu va te bénir. Dios te va a hacer un hombre entendido, una mujer entendida. Une femme, un homme sage. Mientras más leas tu Biblia, tandis, plus tu lis ta Bible, más vas a ser un hombre entendido, tu seras más serás una mujer un homme entendida. Sage, instruit. Entenderás los tiempos. Tu comprendras les temps. Entenderás el propósito de Dios tu para tu vida. Comprendras le propos de Dieu pour entenderás ta vie. La dirección et tu comprendras la dirección que Dieu, où Dieu veut t'emmener. Harás lo que Dios te diga tu que feras ce que Dieu te dit de faire. Empezarás a entenderlo tu commenceras Dios. À comprendre Dieu. Hay cristianos que quieren que Dios los entienda a ellos. Il y a des chrétiens qui veulent que Dieu te comprenne. Pero la Biblia dice. Mais la Bible dit. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Mes pensées sont plus hauts que les tiens. Et mes chemins sont plus hauts que les tiens. Así que Dios no va a bajar a ti. Donc Dieu ne va pas descendre de toi, sino que el propósito de Dios para tu vida y la voluntad perfecta de Dios. Toi, tu dois chercher le propos de Dieu et la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Es así como camina. C'est comme ça qu'on marche dans le royaume des cieux. Que Dios se adapte a nosotros. C'est pas que Dieu s'adapte à nous. Hay una sola forma de buscar a Dios. Il y a une seule façon de chercher Dieu. Jesús dijo, yo soy el camino, Jésus yo a dit, soy la verdad, je suis le chemin, je suis la vérité, nadie je suis la vie, et nul si vient no au Père si mí. Ce n'est par moi. El que no me recibe como su celui Señor, qui ne me reçoit pas en tant que Seigneur, que no recibe mi evangelio, celui qui ne reçoit pas no mon évangile, il no ne peut pas y aller cielo. Au Père, il ne peut pas y aller au ciel. Hay un plan, un propósito. Il y a un plan, il y a un propos. Todo tiene una consecuencia tout, il y a une conséquence spirituelle. Si tu aceptas a Jesús, si tu acceptes à Jésus, te conviertes en un hijo de tu Dios. Deviens un enfant de Dieu. Pero para ser un hijo obediente, mais tienes pour être un enfant obéissant, tu dois obéir à tout ce que Dieu a dit. Porque el hecho de que yo sea hijo de mi padre, car le fait carnal, que je sois un enfant de mon père no charnel, ça ne veut pas dire que je sois un enfant obéissant. Yo puedo ser hijo, pero desobediente. Je peux être enfant, mais désobéissant. Yo tengo que ser hijo obediente. Je dois être un enfant obéissant. Y lo que escrito Dios, lo que está ce que en Dieu la palabra, a écrit, s'est établi dans la parole, c'est pour que toi et moi, nous obéissons, nous marchons otro. Dans ce chemin parce qu'il n'y a pas un autre. Y obedezcamos a Dios, et en obéissant Dieu, las bendiciones vengan sobre nuestras et vidas. Que les bénédictions viennent sur nos vies. La Bible, dice, la Bible en dit, es Hebreos, dans le livre d'Hébreux, nous dit que. El hombre de doble ánimo, dice, vamos a leerlo rápidamente. Tenemos que ser hombres entendidos y hombres nous devons être de fe, mujeres de fe. Hombres de foi, sage. Perdón, este es este Santiago. Dice la palabra de Dios. La parole de Dieu nous dit que tenemos que ser personas entendidas, que tenemos que ser personas que busquemos la presencia de Dios nous para no dejarnos mover. De Dieu. Pablo dice que no tenemos que dejarnos de mover por cualquier viento de doctrina. Que ne veut pas se laisser bouger par n'importe quel vent de doctrine. Mira lo que dice Santiago. Regardez ce que Jacques dit. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verset 2 du chapitre 1 de Jacques. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verset 3. Más 4. Tenga la paciencia su obra completa para que sepáis, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual lo da abundantemente y sin reproche le será dada. Tenemos que buscar la sabiduría. Nous devons chercher la sagesse. Pero pídala con fe, no dudando. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante. Il est inconstant. Una persona cuando Une tiene doble ánimo es inconstante. Lorsque il est irrésolu, hoy il est ahora, inconstant. Mañana no. Aujourd'hui il prie, demain il prie pas. Días lo vuelve a leer. Il lit aujourd'hui la Bible, après 4 jours après diezma il lit encore. Dos, tres meses no diezma. Deux, trois mois, il ne dit pas. De vez en cuando. Il jeûne de temps en temps. Inconstante en todos sus il est inconstant dans toutes ses voies. Cuando el diablo lo tienta a Jesús, lorsque le diable tente Jésus, en el capítulo 11 del libro del 91 de Salmos,
está la palabra. Dans le psaume 91, verset 11, dice, él mandará sus ángeles, la parole où il dit qu'il enverra ses anges pour que ce pied ne trébuche pas. Y là, il y a quelque chose de très important. Que Satanás evade. Que Satan, il évade. Porque Jesús, el diablo le lee la Biblia a Jesús. Le diable lit la Bible à Jésus. Y le dice, él mandará. Il lui dit, tírate de acá abajo del pináculo del templo porque toi Dios mandará de, sus ángeles temple, para que tu pie no il enverra ses piedra. Anges pour que ton pied ne trébuche pas. Y eso está en el capítulo 91 del libro de Salmos. Ça se trouve dans le chapitre 91 du Psaume. Se conoce la Biblia. Le diable connaît la Bible. Por eso que tú y yo tenemos que conocer la Biblia. C'est pour ça que toi et moi nous devons connaître Porque la Bible. Si tú no lo conoces, car si tu le connais pas, el diablo te va a sacar ventaja. Le diable il va prendre de l'avantage. Porque coge nuestra ignorancia. Il prend notre ignorance. Cuando tú vas a un juzgado, a un Lorsque juicio, tu vas à un jugement, los que conocen todas las leyes son los abogados. Connaissent tú, les tú lois, conoces. Les avocats. Toi, tu connais pas. Y a veces por una cláusula el abogado te saca fois, libre. Y por una cláusula no un avocat il te laisse en liberté. Porque no se cumplió. Parce que il s'est pas accompli. Entonces, en el reino de Dios es lo mismo. Donc dans le royaume de Dieu si c'est pareil. La Biblia, si tu connais la Bible. Y el diablo te viene a juzgar. Et le diable vient pour te juger. Tú le dices, et tu as le dit, il est écrit Dios, dans esto. La parole de Dieu. Ceci, cela. Si el diablo te saca tu pasado que si ya ha sido diable, perdonado, il sort ton passé qui a été déjà pardonné, diablo, tu dois dire au diable. En Corintios 5 dice, en Corinthiens nous dit, car celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses aquí, anciennes sont passées, elles sont toutes Soy un faites hijo de Dios. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pero si no lees la Biblia, tú no puedes decirle nada. Y él te sigue juzgando y te y continúa a te juger. Y terminamos con depresión. Y on finit dans la depresión. Y terminamos buscando que alguien nos diga pobrecito el hermano, pobrecita la hermana. El único pobre es el diablo. Le seul qui est pauvre c'est le diable. No hay más pobres. Il n'y a plus de pauvres. La pobreza está acá en la mente. La pauvreté est ici dans les pensées de la personne. Nosotros, Jesús nos hizo ricos. Jésus nous a rendu riches. El único problema es que somos malos administradores si no administramos bien las cosas. On est des mauvais administrateurs. Y primero pensamos en nosotros et premièrement, y después en Dios. On pense en nous et ensuite en Dieu. Le decimos a Dios, te amo. Et on dit à Dieu, je t'aime, tu es le plus beau que j'ai dans ma vie. Pero todavía no ocupa el 100% de nuestro corazón. Pas à 100% dans notre cœur, mais je vais te dire quelque chose. Tandis que Dieu n'occupe pas à 100% dans ton cœur, il n'y aura pas de choses extraordinaires qui vont passer à travers toi. Lorsque tu es à 100% uni à Dieu, Jésus-Christ était à 100% rendu au Père. Et où il rentrait, où il marchait, et quelque chose arrivait dans ce lieu, quelque chose extraordinaire arrivait. La Bible dit, lorsque Jésus était là, alléluia, la parole de Dieu dit, il était dans une réunion, Pierre il avait fait un barbecue argentin, un grand barbecue, y Jesús estaba allí. Et Jésus était là. Todos estaban pensando en la comida. Ils pensaient tous au barbecue. Recibe una información del Espíritu. Il reçoit une information de l'Esprit. Et il dit, et on va à l'autre côté de la mer. Me imagino que ellos se tocaron la barriga. Ici, ils ont touché la otra vez, ya lo conocían a Jesús. Habla, pero... Il parle... Se parece a personitas que conocen, ¿verdad? Il rassemble quelqu'un qu'on connaît. Donc, tout le monde se regardait. Personne n'a dit rien, car il savait que Jésus il était en train d'établir le royaume de Dieu. On va y aller de l'autre côté. Il a senti dans son esprit. Et les disciples, ils marchaient dans la chair encore. Ils pensaient dans la nourriture. Ils pensaient à beaucoup de choses. De l'anniversaire de Pierre, l'anniversaire de Jacques. Ils faisaient des plans pour l'anniversaire de Judas. Ils étaient en ça. On va y aller de l'autre côté. Okay. Et Pierre, il voulait toujours. Calme-toi, Jésus, ne t'inquiète pas. Yo conozco la mar, moi, la je connais la mer comme la pomme de ma main. Tranquilo, tu descansa y yo toi, repose-toi, moi, je vais tout diriger.
Es verdad que Pedro conocía C'est vrai que Pierre il connaissait la mer. Es verdad que Pedro era C'est vrai un que tremendo Pierre pescador. Il était un grand pêcheur. Pero Pedro no conocía Mais el mundo Pierre, espiritual. Il connaissait pas le monde spirituel. Pedro todavía no conocía Pierre, il connaissait pas la encore la guerre que spirituelle qui existait en tierra, ici dans cette terre gobierna un mundo espiritual. Où gouverne un monde spirituel. Y él pensó en encontrarse con las zonas normales que él estaba acostumbrado a encontrarse. Pero llegó un momento y dice la palabra arrivé, que las olas eran que tan grandes que Pedro se asustó que y dijo, nunca he visto peur, esto. Je n'ai jamais vu cela. Y dice que de tal manera que el barco ya se hundía. Que la barca se coulait. Y en un momento Pedro no pudo más y se Pierre, fue a Jesús. Il ne pouvait plus dire, Señor, Jésus, réveille-toi, que nos hundimos. Ton péris. Nos hundimos. On no tienes cuidado de nosotros, tu por ne, favor, tu ne prends pas soin de nous, réveille-toi. Et Jésus, il se levait tranquillement. Il a dit, homme, peu de foi. En muchas oportunidades Jesús les dijo, ¿hasta cuándo les soportarlos? Oportunidades Jesús ha dicho, ¿hasta cuándo yo voy a soportar? He venido a enseñarles Je fe, suis he venido pour a prepararlos pour para que estén listos pour para la vous guerra. Soyez prêts pour la guerre. Que puedan defenderse. Que vous puissiez vous défendre. Yo me voy a ir ya. Moi je veux m'en aller déjà. Et je veux que vous grandissiez spirituellement. Jesús ha dit. Y dice la Biblia que Et Jesús la Biblia se paró que Jesús y reprendió. Il a chassé. La tormenta. La tempête. Cállate y enmudece. Tais-toi. Y en ese mismo instante dice, a ce même instant, dice la Biblia que la Biblia tormenta dit le que la tempête a obéi a Jésus. Cuando tú vives al 100% Lorsque tu vis à 100% entre les mains de Dieu, lo que declares te va obedecer. Ce que tu déclares va t'obéir. Jesús dijo cosas mayores Jésus a dit ustedes, de plus grandes choses vous padre. Allez faire car je me vais au Père. Dios nos ha delegado una autoridad espiritual. Dieu nous a délégué une autorité spirituelle. Y cuando Jesús te dice, lorsque Jésus te dit todo lo que haces tout ce que tierra, tu lis dans la terre sera lié dans les cieux. Hay gente que ni lo entiende. Il y a des gens qui Hay comprennent pas. Que lo critica. Même le critique. Porque no entiende, no conoce Parce la guerra pas, ils ne connaissent no pas la guerre spirituelle, ils ne connaissent pas la délivrance. No conoce el mundo ils ne connaissent pas le monde spirituel, comment il bouge. Ils connaissent une religion. Hay gente que se cambió de il y a des gens qui se, ils, esto, ils sont changés de catholique à ça. Como que si se cambió de hábito. Comme il a changé les habitudes. Pero no es así. Mais ce n'est pas comme ça. No es una cuestión de cambiar c'est pas une question de es changer de religion. De creer c'est la palabra une question de, Dios, de croire à la parole de Dieu, d'accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur de notre que vie. Morir al pecado. Nous devons mourir que au péché. Nous devons croire à Dieu à 100% en tout. La Biblia dice, reconoce a Dios en todos reconnais tus Dieu dans todo tes voies et tout marchera bien. En todo. En tout. Mira, nosotros necesitamos de Dios. Nous avons besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Nosotros entramos a veces a la iglesia como des fois on rentre à l'église comme si on payerait Dieu. Y me levanté a las 7 de la mañana. Je me suis levé à 7h du matin. Y Dios tiene que estar super contento. Dieu doit être très content. Queremos el vuelto todavía de lo que nous devons, nous voulons le rendu. Como que Dios nos está debiendo algo. C'est comme si Dieu nous doit quelque chose. No es así. Mais ce n'est pas comme Tú ça. Y yo necesitamos de Dios. Venimos toi et moi, nous avons besoin de Dieu. Venimos nous venons reconnaissants avec un cœur que Dieu nous parle, que Dieu nous change, que Dieu nous transforme, que Dieu fasse quelque chose dans nos vies. Cada domingo vengo con Chaque dimanche, je viens avec un spectacle. Que Dios toque mi vida, que Dieu que touche me ma vie, que Dieu me transforme, que Dieu me change, que Dieu me parle. De ma façon de penser, de ma façon de parler change. Ma façon de me comporter change. En el colegio, dans le collège, en el liceo, en dans le lycée, dans l'université, trabajo, dans le travail, calle, dans la rue, que, la gente pueda conocer que les gens de mí vive puissent de Dios. Connaître qu'en toi l'Esprit de Dieu vive. Soy representante de un reino, je suis un représentant d'un royaume y tengo que representar et je dois représenter ce royaume. El reino de sufre violencia. Le royaume de Dieu souffre violence y los violentos lo rebaten. Et les violences s'emparent. La vida cristiana no es una vida religiosa. Ce n'est pas une vie religieuse. Es una vida espiritual. C'est une vie spirituelle. Y el diablo no quiere que entendamos. Le diable ne veut pas que nous comprennent. Por eso no quiere que oremos, no quiere que leamos la Biblia, no quiere que prediquemos el evangelio. L'évangile, qu'on lit pas la Bible. Quiere que estemos enojados. Il veut qu'on soit fâché l'un avec l'autre. Y lo que Dios quiere es que Et ce que Dieu veut, en comunión, c'est que nous soyons unis, nous devons nous pardonner.
Ahora la Biblia nos está hablando. La Biblia nous est en train de nous parler. Hoy día estamos hablando del diezmo, la ofrenda. Aujourd'hui on est en train de parler sur la Porque dîme, les offrandes, car nous devons l'apprendre. Entenderlo. Le comprendre. A nadie le pones una pistola para que diezme. Personne, on met un pistolet simplement. Que tenemos que conocerlo. Que nous devons le connaître. Y una vez que conozcamos la palabra. Et une fois qu'on connaît la parole. Tomemos la decisión que queramos. Nous prenons la décision que nous voulons. Pero está en nuestra responsabilidad enseñar. C'est notre responsabilité d'enseigner. La bendición se imparte, se enseña. La bénédiction, on la transmet et on l'enseigne. Abraham impartió y transmitió su bendición. Abraham a transmis sa bénédiction. A su hijo Isaac. A son fils Isaac. A su hijo Jacob. Jacob. Y generación tras generación. Generación après génération. En aquel tiempo no había la ley. À l'époque, il n'y avait pas la loi. La ley no existía. La loi n'existait pas encore dans le temps d'Abraham. La ley vino a existir en el tiempo de Moisés. La loi existait dans le temps de Moïse, par la dureté du cœur des hommes. Es como el divorcio. C'est comme le divorce. La gente le reclamó a Jesús. Les gens ont réclamé Jésus. Si Moisés daba carta de divorcio. Si Moïse il donnait une carte de divorce. Sí, te tengo. Si Moisés daba carta de divorcio. Il donne une carte de divorce. ¿Y qué dijo Jesús? Moisés daba carta de divorcio por la dureza de divorce, corazón. Par la dureté de votre cœur. Pero al principio no fue así. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. ¿Verdad? N'est-ce pas? Hay un proceso. Il y a un processus. Hay muchas cosas. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi Jésus lui parlait? Parce qu'à cette époque-là, en el contexto judío, dans le contexte juif, agarraba, il prenait el hombre, l'homme. Y cualquier excusa ponía para divorciarse de su mujer. N'importe quelle excuse il mettait pour se divorcer de sa femme. Ya no me cae bien. Ya no me simpatiza. cualquier excusa. N'importe quelle excuse. Entonces le daban carta de divorcio. Donc ils l'ont donné une lettre de divorce. L'homme il partait content parce qu'il a trouvé une jeune fille de 10 ans de moins. Entonces ya la mujer, la femme que fue su esposa, que a été son épouse. Elle était Pero tú tienes usée. Que amar a tu esposa. Tu dois aimer ton épouse. Dice que ames a la mujer de tu juventud. Que tu aimes la femme de ta jeunesse. Claro que está desgastada porque peut-être qu'elle est plus âgée aussi. No puede usée. Seguir igual. Ce n'est plus pareil. Sin embargo, el amor está dentro, mais no pourtant, está fuera. L'amour est dedans. El amor ce n'est pas à l'extérieur. C'est interne, pas externe. El amor va creciendo. L'amour grandit. Te casas con una si mujer, toi tu te maries avec une femme porque tiene un cuerpazo, car parce qu'il a un beau corps, cuando pasen los años, te vas a divorciar. Sí. Porque te casaste por algo físico. Tu te maries pour quelque chose physique. Pero si te casas con una mujer, si tu, porque en realidad te maries avec une femme, un parce qu'en réalité il y a un amour dans notre cœur, ese amor va a durar para siempre. Cet amour va durer pour toujours. Para siempre. Pour toujours. Amen. Amen. Eso no quiere decir que ça veut pas dire que también nos vamos a vestir bien. On va bien s'habiller. Viene el esposo de trabajar, l'époux la mujer vient de travailler. Al menos échate un poquito de loción. Mettons un peu de parfum quand même. Porque si lo recibe oliendo si ajo, si tu le reçois avec une odeur d'ail. Tenemos que tener también, il faut y avoir aussi être bien entonces, habillé, bien présenté. Sí, exacto, así. Bien parfumé. Con loción, con colonia, avec con un bon parfum. Mira, los que no se echan perfumes. Regarde, son las personas qui, que ne se met pas de parfum, ce sont les personnes qui sont esclaves. Habla afuera. Dehors. Escúchame bien, ¿no? Écoute-moi bien. Las personas que están les afuera, personnes que qui sont dehors. Aquellas personas que no tienen un lugar. Qui n'ont pas y que ya se un lieu. Qui sont laissés y aller. Igual, que c'est pareil. Pour eux, de s'habiller, peu importe, ou dormir n'importe où. Ce n'est pas une question de pauvreté, c'est une question de mentalité. On peut se laisser dans la vie. Et aller, tu te mets à boire, tu finis à dormir dans la rue, tu n'as plus où habiter, tu commences à sentir mauvais. Tú mismo vas toi, buscando un camino diferente. Tu cherches un chemin différent. Pero si tú, mais si toi, vraiment, buscas a Dios, tu cherches Dieu, tú te vas a bañar todos tu los vas días, te doucher tous les jours, te
vas a afeitar, tu vas a cambiar, te raser, tu vas te changer, tu seras bien présenté, car tu représentes le royaume de Dieu. Combien représentent le royaume des cieux? Amen. Vamos a nuestro trabajo on va dans notre travail bien présenté. Sí, oliendo rico. On sent bien. Entonces, eres un representante del bon. On est représentant du royaume. Ça mira, fait partie, lorsque tu es lo vas a propre spirituellement, tu vas le montrer dans le physique aussi. Lo vas a demostrar. Car tu vas le montrer. Un, hombre que ya está dejado un homme qui s'est laissé aller, ya ni se afeita, ya no. Il se rase ni se plus, baña, ya no hace nada. Il ne se change plus, se deja, il ne fait rien, il se laisse aller. Se deja llevar. Il se laisse emporter por par eso tenemos choses. Que buscar el reino de Dios y su justicia. Nous devons chercher le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Nous dit la parole de Dieu. Amen. Vamos a leer Ageo 4, on 1, va lire 4, 11. Dans le livre d'Agé. Acá esta palabra dice creyentes que buscan primeramente sus intereses y después los intereses de Dios. Des croyants qui cherchent leur intérêt d'abord que les intérêts de Dieu. Y dice la palabra de Dios, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. No, ese es bueno, eso ya lo leímos. Ahora te estoy hablando Ageo 1, 4, sí. 1. 11. Ageo, chapitre 1. Ese es para que siempre ames a tu esposa. Ça, c'est pour que tu aimes toujours ton épouse. A pesar de los años. Malgré les années. Tú tienes que amar a tu esposa como es, tu natural. Tu dois aimer ton épouse como elle est, naturel. Natural. Naturel. Bio. Bio. Sí, tienes que amarlo como es. Tu dois l'aimer tel comme elle est. Dice, es para vosotros tiempo, es para vosotros tiempo para Verset vosotros 4. De habitar en vuestras casas artesonadas y casa, esta casa está desierta, está hablando por la casa de Dios, está hablando el profeta. C'est le prophète qui parle. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. ¿Por qué? Pourquoi? Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué quiere decir eso? Qu'est-ce que ça veut dire que tu reçois dans un sac percé? A veces pensamos, decimos, bueno, des fois on pense, sacamos la cuenta. Primero yo, on fait notre compte, después d'abord yo, c'est moi, y después yo, et après y c'est cuarto moi, Dios. Et à la dernière place c'est Dieu. Primero, premièrement, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Yo me acostumbré, qu'est-ce que je dois faire? Je me suis habitué, y fue una disciplina para mí. Ça a été une discipline y tiene pour moi, que ser una disciplina para doit mí. Être une discipline. Primero es Dios. Premier c'est Dieu. Entonces primero, donc, premier, c'est ma dîme. Salario, lorsque je reçois mon salaire, c'est premier luego, la dîme. Mi casa. Ensuite, le loyer. Il y a un ordre spirituel. La, comida no es primero que la, casa. La nourriture, ce n'est pas d'abord que les loyers. Que la casa. Primero, les vacances, mi casa porque es el lugar donde vivo. Premièrement, je paye mon loyer. C'est l'endroit où j'habite. Es como mi herencia. C'est comme mon héritage. Lleva mi nombre, yo represento c'est en mon casa. Nom, je représente cette maison. Tengo que pagar mi, je dois yo no puedo payer, quedar mal con la persona je que peux me pas alquila. Rester mal avec le bailleur. Luego en el resto de cosas tengo que ir ajustándome. Je dois après ajuster les choses. Y en medio de todo eso, Dios va et au milieu a de tout ça, Dieu va faire des miracles. Porque el camino de Dios es un camino de fe. Le chemin de Dieu, c'est un chemin de foi. Es por fe que uno camina. C'est par foi qu'on marche. Si yo le hablo a una persona que siempre diezma acá. Si je lui parle à une personne qui dîme toujours. Yo le pregunto, ¿te va bien o te va mal? Je lui demande, est-ce que tout va bien pour toi ou yo te aseguro ça va que pas. Me va a contestar, me va bien. Je suis sûr qu'il va me répondre que tout est bien. Y no me falta dinero. Et je ne manque pas d'argent. A ver, dime tú, ¿te falta a ti? Est-ce que il te manque à toi? Non. Nada me falta. Non me manque rien. Constante en todos sus caminos. Constant dans toutes ses voies. Y Dios lo bendice. Et Dieu le bénit. Et Dieu le bénit. Dieu le bénit. Es una mujer que tiene cinco hijos. C'est une femme qui a cinq enfants. Que está batallando. Qui lutte. En el mundo espiritual. Qui lutte dans le monde spirituel. Que está guiando a sus hijos en el camino del Señor. Qui guide ses enfants dans le chemin de Dieu. Que ofrenda, que diezma, que a su qui offrant, qui dîme, qui dans siempre. Sa dans sa no prémisse siempre, toujours. Siempre, pas des fois, sinon toujours. Siempre. Toujours. Y no le falta. Il ne manque rien.
Rafaela, ¿es que te manque nada quelque chose? Rien me manque. J'ai tout et tu rajoutes de plus en plus. ¿Por qué? Pourquoi? Porque ningún mes deja. Porque aucun mois meses, elle laisse. Yo empecé mi vida, todos los meses le doy a Dios. Tous les mois je donne à Dieu. Entonces Dios te prospera. Donc Dieu te prospère. Y Dios te bendice, et Dieu te bénit, et Dieu étend, et les bénédictions te poursuivent. Si je demande par là, si yo pregunto por aquí, yo voy a preguntar así. Je vais demander comme ça, à des personnes. María José, María José, ¿te falta? Est-ce que te manque quelque chose? No, el Señor siempre me ha soutenu, siempre. Le Seigneur toujours m'a soutenu. Hasta los cuervos para même les corbeaux, sí, il a envoyé les corbeaux pour l'avenir. J'ai beaucoup de témoignages. Dieu a fait de grandes choses. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de foi. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Dolly, te falta algo? Dolly, est-ce que te manque quelque chose? Te sobra. Tienes para prestar. Même j'ai pour prêter. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. ¿Qué dice la Biblia? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Dios promete. Dieu promet. Tú, toi, ya no pedirás prestado, sino que tendrás para prestar. Tu n'emprunteras pas, sino que tu auras pour prêter. Dios, ¿verdad? Sí, gente, yo. Des gens. Que es fiel. Es fiel. Il y a des gens qui sont fidèles. Marta, est-ce que te manque quelque chose? Me ha sobrado. Siempre te sobra. Y siempre et toujours, o sea, nunca le falta. Personas, de personas, o sea, no qui, es una cuestión de fe. C'est une question de foi. ¿Te falta a ti? Est-ce qu'il te manque quelque no, chose? La verdad que no, le he creído a Dios. J'ai cru à Dieu. Y le he probado y sí, j'ai essayé. Desde que estoy en la iglesia, de, nunca me ha faltado, que je suis à l'église. Y bueno, a corto porque he estado j'ai été social y he escuchado a varias personas j'ai entendu tardan 5 o 3 años pero por la gloria de Dios en menos de 2 años au moins de 2 ans le Seigneur m'a donné cette résidence sociale. Gloria a Dios, aleluya. Logement social. Dios abre puertas, quiere estar en la gloria de Dios. Dieu ouvre des portes. Y así me pasaría por cada uno de ustedes. Je passerai par chacun d'entre vous. Y esto no lo quiere plata ya. Est-ce que no, l'argent no et le pasteur il veut porque de l'argent? Es para pagar el local. L'argent c'est pour payer cosa? Le local. Están experimentando. Ils font l'expérience del reino de los cielos. Le royaume des cieux. ¿Verdad, Yalix? Estás experimentando. Estás entrando en el nivel de fe. Rentre dans le niveau de foi. En el nivel de fe. Gloria a Dios. Et gloire à Dieu. Y vienen cosas extraordinarias a tu des vida. Des choses extraordinaires viennent sur amén. Ta vie. Y así. Si le pregunto a cada uno de ustedes, si yo demando a chacun d'entre vous, de gens fidèles, están, qui donnent toujours, ustedes me van a decir, no me falta, me sobra. Es una clave espiritual. C'est une clé spirituelle. Es como para entrar a una universidad tienes que estudiar. C'est comme pour rentrer dans une université tu dois étudier. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, hay que entrar en el mundo de la fe. Il faut rentrer dans le monde de la foi. Y siempre Dios me dio. Y me bendijo. Dieu m'a béni toujours. Il m'a donné, il m'a multiplié. Cada uno de ustedes. Chacun de vous. Yo le pregunto desde que el hermano Roberto. Moi, je demande. ¿Les falta a ustedes? Est-ce qu'il vous manque no? Quelque chose? Dios los bendice, ¿verdad? Dieu vous bénit, n'est-ce pas? Y los multiplica et y los seguirá multiplicando más. Puis il va continuer à vous multiplier. Es así. C'est comme ça. Dios es fiel. Dieu est fidèle. No lo cuestiones a Dios. No questionne pas Dieu. No cuestiones a Dios. Darle a Dios lo que es de Dios y al César donne lo que es que de César. A Dieu et donne à César ce qui est à César. La obra de Dios et en commence tu vida. À faire l'œuvre de Dieu dans ta vie. ¿Qué dice allí? Estábamos leyendo hasta el 11. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traer la madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Y seguiré glorificado, ha dicho Jehová. Dios quiere poner su Dieu voluntad en tu corazón. Veut mettre sa volonté dans ton cœur. Buscáis mucho y halláis poco.
y encerráis en casa, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Lo que estaba pasando en aquel tiempo, ce qui passait à cette époque-là, es que la gente más pensaba en ellos, pensaient plus à eux-mêmes, que en la casa de Dios, que donde Dios tenía que hacer Dieu, una obra, où Dieu faisait son œuvre. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra se la tierra detuvo sus frutos. Muchas veces hay sequía de fois, il y a espiritual en nuestras propias vidas. Dans nos propres vies. Se detiene la lluvia en nuestra vida. La pluie s'arrête dans nos vies. Cuando vino Eliseo lloró por las tinajas, de aceite. Élisée a prié pour les vases. Ella trajo tinajas, la mujer. Elle a porté cette femme a porté des vases. Y cuando dejó de traer tinajas, cesó el aceite, dice la Biblia. L'huile a cessé. Mientras ella traía las tinajas, el aceite seguía. L'huile continuait. Y cuando dejó de traerlas, se acabó el aceite. L'huile s'est arrêtée. El aceite representa la bendición de Dios. L'huile représente la bénédiction de Porque Dieu. Porque ese aceite fue el que utilizó. Cette huile était Dios para bendecir a esa mujer. Dieu a utilisé pour bénir cette femme. Para que ella venda ese aceite y pague todas sus deudas. Pour qu'elle puisse vendre cette huile et payer sa dette. Pero tuvo que hacer dar un paso de Mais fe. Elle a dû donner un pas de foi. ¿Qué es lo que hizo esa mujer? Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? ¿Qué es lo que hizo? Qu'est-ce qu'elle a fait? Obedeció. Elle a obéi ce que Dieu a dit. Y ahí vino la bendición. Et la bénédiction est venue sur elle. Primera de Crónicas 29:14 dice. En Chronique. De lo recibido te damos. 29:14, Primera de Crónicas. C'est 29:14. En Chronique, chapitre 29, verset 14. 14, a ver, rápidamente. Vamos, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos, Dios. Ellos estaban dándole a Dios y lo que, a Dieu de lo que recibían. De ce qu'ils avaient reçu de la part de Dieu. ¿Qué dice 2 de Corintios 9:6-11? De Corintios 9:6-11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es el verso 7. Cada uno de como propuso en su corazón. Es importante disponer en nuestro, todavía no lo pases, es disponer en nuestro corazón. Coeur. Y eso Dios lo va a bendecir. Lo que dispones que Dieu va en venir. Tu corazón ce no que es tu la cantidad, dans ton coeur, ce n'est pas la quantité, es la calidad, c'est la qualité en tu corazón, dans ton con coeur, lo cual lo des. Como cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dieu aime celui qui donne avec joie. Sonriendo. En souriant. Aleluya. Es el momento de la dîme ofrenda. C'est le moment de la dîme des offrandes. Gloire à Dieu. Aleluya. J'ai l'opportunité de donner à Dieu d'être béni. Ahora te digo algo. Je te dis quelque chose. ¿Por qué Dios pide? Pourquoi Dieu demande? Es nuevo eso, es una... Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Siempre Dios pidió. Dieu a toujours demandé. Cuando Dios quiso que Lorsque Abraham Dieu tuviera un hijo, a le voulu dijo, qu'Abraham ait un enfant, tráeme. Il a dit apportez-moi. Un carnero de tres años. Tráeme un bélier esto, de 300 ans. Apporte-moi ceci, cela. Y Abraham trajo todo lo que Dios le pidió. Et Abraham a apporté tout ce que Dieu lui a demandé. Tráeme un becerro. Un becerro era caro. Apporte-moi une génisse. Cuando Saúl estaba Lorsque bien con Dios. Saúl était bien avec Dieu. Un día. Un jour. Sacrificó mil, il a sacrifié mil toros. Mil bueyes. Mil bœufs. Dice que la gente quería ofrendar. Gens, ils voulaient no sé ofrender. Días, porque no podían. Ils pouvaient pas. No, este, ¿quién está? Qui est là? Hay bouchon, ¿qué pasa? Il y a un bouchon, il a quelque chose. Ils voulaient avec leur bélier. Y esperando un día, dos días, il tres días. Il a donné un jour, deux jours, trois jours. Pourquoi? Porque a Saúl. Car,
Car Saül, le roi, il a voulu honorer Dieu avec 1000 taureaux. Il demandait qu'est-ce qui se passe, pourquoi il ne s'avance pas. Est-ce que Saül est en train d'offrander Dieu 1000 taureaux, donc il a pour longtemps. Là, je te demande, qu'est-ce que Dieu faisait avec ces taureaux? Que c'était pour lui? 1000 taureaux, c'était pour lui? Il le brûlait. Tout ce qui montait, c'était de la fumée. C'est pour ça que la pensée qui raisonne ne comprend pas. L'esprit de Grèce, il ne laisse pas comprendre. Le raisonnement humain, il ne nous laisse pas comprendre. La philosophie ne nous laisse pas comprendre. La logique ne te laisse pas comprendre. La logique, la philosophie, ce sont ennemis de la foi. L'ennemi est un ennemi très fort. Car la logique te dit, si tu touches, tu crois, si tu vois, tu crois. Pero la fe dice, mais la foi dit que, no tienes que, ver, que tienes tu que ne creerlo. Dois pas voir, sino tu dois le croire. Sin ver, tienes que creer. Sans voir, tu dois croire. Bienheureux celui qui n'a pas vu, ils sont crus. Alléluia. Eso dice la palabra c'est de ce Dios. Que dit la parole de Dieu. Eso dice la palabra de Dios. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu, ils ont cru. Tenemos que ser hombres y mujeres de nous fe. Devons être des hommes, des femmes de foi. Grecia no nos deja. No nos deja l'esprit de Grèce. L'esprit de Grèce, il ne nous laisse pas. La logique humaine ne nous laisse pas. Si je le touche pas, si je ne le crois pas, ce n'est pas réel. Cada uno tenga, chacun, dice, que dé como propuso en su corazón. Comme il a disposé dans son cœur. Eso dice la palabra de Dios. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Estamos en que, el 8. Le verset 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los 9. Pobres su justicia permanece para siempre. Dale. Y el que dé semilla al que siembra y el pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Como Dolly a dit, même j'ai pour prêter. Porque es así. C'est comme ça. Dios no quiere que seas un mendigo. Dieu ne veut pas que tu sois un mendiant. Y la palabra de Dios dice, la no parole hay justo de Dieu dit qu'il n'y a pas un juste abandonné, ni, su simiente que ni sa postérité mendiant du pain. Mira, hay una sola vez regarde, il y a une seule fois dans la Bible qui dit, mette-moi l'épreuve. Porque nunca dice Dios probarme. Dieu ne dit pas, mettez-moi à l'épreuve. La Bible dit que no tenemos la Bible dit que on ne doit pas mettre à l'épreuve à Dieu. Pero en la única palabra, mais dans la seule parole, en Malachias, en Malachie, 3, chapitre 3, dice la palabra de Dios, la parole de Dieu probarme, nous dit, dice Dios. Mettez-moi à l'épreuve. Él mismo nos dice, probarme. Lui-même. Y ahí vamos a ver, en Malachias, on va le voir en Malachie, 10, chapitre 3, verset 10. Et vamos a ver algo que habla del diezmo de la ofrenda. Ça parle de la dîme de l'offrande. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme. Ahí dice Dios, probadme ahora en esto. Mettez-moi l'épreuve, dit l'Éternel. Si no, abriré las ventanas de los cielos hasta y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Sigue. Verset 11. Y él nos promete que si nosotros il nous promet, hacemos eso, dice, si nous faisons cela, también por vosotros al devorador. Il menacera celui qui dévore. ¿Quién es el devorador? Qui c'est celui qui dévore? Hay muchas preguntas. Il y a beaucoup de questions. Uno dice, pero il y a quelqu'un qui dit pourquoi? ¿Por qué va a venir a mí el devorador? Pourquoi le dévorateur il viendra à moi? Y el vecino del frente que et es un adulto, lo que sé, d'en face, il est qui un adultère. Il a de l'argent. Mira, te voy a decir algo. Je vais te dire quelque chose. Hay dos formas de que se provee el dinero. Il y a deux façons que l'argent vient. Una la provee Dios. Ainsi que c'est Dieu qui le pourvoit. Y lo que provee Dios, celui que Dieu pourvoit demeure pour toujours. Y el diablo no te lo puede robar. Et le diable il ne peut pas te voler. Porque Dios reprende al devorador. Car Dieu menace le dévorateur. Lo que provee Dios, ce que Dieu pourvoit, es permanente. C'est permanent. Lo que Dios te da, ce que Dieu te donne, nadie te lo puede quitar. Personne ne peut te l'enlever.
salvo que tú te salgas de la cobertura. Sauf si tu sors de la couverture. Pero también hay otra forma de hacer dinero. Il y a une autre façon de faire de l'argent. Lo que el diablo te da. Ce que le diable te donne. Las propuestas que el diablo te hace. Les propositions que le diable te fait. Hay gente que está esclava. Il y a des gens qui sont son esclaves. Ils sont des milliardaires, ils ont de yachts, de maisons. Pero si mueren se van al infierno. Mais s'ils meurent, ils vont partir à l'enfer. Y el diablo no les hace nada, ¿sabes? Et le diable ne fait rien, tu sais pourquoi? No les quita eso porque ils n'enlèvent pas ça parce que c'est le divertissement. Ahí los tiene entretenidos. Il l'a entretenu. En train de pécher, esclavos del pecado. Esclaves du péché. Están entretenidos con el ils sont là entretenus avec l'argent. El amor al dinero te l'amour lleva à l'argent, muchas cosas. Il t'emmène à beaucoup de choses. Entonces, ellos viven entretenidos en eso, ils sont amor entretenus dinero, avec ça. Y paran peleándose entre ellos. Ils se battent entre eux dans l'égoïsme. El que tiene más, quiere celui más. Qui a plus, il veut plus encore. Pero un hijo de Dios, mais un enfant de Dieu, hay luchas, hay dificultades. Il y a des luttes, il y a des difficultés. Pero si nosotros obedecemos mais si como nous hijos, obéissons en tant qu'enfant, il y a une couverture de Dieu, il y a une protection de Dieu, il y a un manteau de Dieu, il va menacer le no celui qui destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vida, el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién dice? C'est l'Éternel qui le dit. Dice Dios. Qui le dit, c'est Dieu qui le dit. No lo dice un historiador. C'est pas un historien qui ni le dit. Filósofo, lo dice. C'est pas un philosophe. C'est Dieu même qui le dit. 3:11. ¿Qué más dice? Le verset 11. Y todas las verset naciones, 12. Toda la gente, tous les gens, toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez dice un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Nous serons un pays de délices. Sabrá que somos prósperos. Les gens sauront qui nous sont prospères. La gente sabrá que les si, gens, si il saura que s'il si vient à toi, ayudar. Même tu peux l'aider. Pero una persona, mais une personne que se salió del propósito de Dios, qui s'est sortie du propos de Dieu, está luchando. Il lutte. Es una oportunidad que Dios nos ha dado. C'est une opportunité que Dieu nous a donnée pour vivre en victoire. Para vivir pour vivre en victoria. Correctement en victoire. Dice la palabra de Dios, la parole de Dieu nous dit antes que existiera, avant que tout existait, la loi existait, Abraham dio su diezmo de todo. Adonai, vamos a leer Génesis 14, 17, 20. On va lire Genèse, chapitre 14. Rapidamente. Chapitre 14. 17. Du verset 17. Al 20. Au verset 20. Dice, cuando volvía de la derrota de Kelodomer y de los reyes con el con que con verse él estaba, 17. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. 19. Y le bendijo diciendo, bendito seas Abraham del Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los, y dice y le dio a Abraham, Abraham los diezmos lui donna de todo. La dîme de tout. Abraham venía de una guerra. Abraham rentre d'une guerre. Los que estudian la palabra dice la Biblia. Ceux qui étudient la parole de Dieu. Que Abraham fue con 318 hombres. Abraham il est parti avec 318 hommes. Y enfrentó un ejército de 5000. Il affrontait une armée de 5000. Y cuando llegó a enfrentarlos, lorsqu'il est arrivé pour les affronter, los venció. Il les a vaincus. En la lógica, dans la logique, ¿es est-ce que ça peut être réel? Non. Une armée de 5000 personnes contre une armée de 318 personnes. Logiquement, no lo logiquement il ne va pas le vaincre. De 5000 lo va l'armée de 5000 va le vaincre. Pero cuando tú eres obediente mais a Dios, lorsque tu es obéissant à Dieu, no es con espada ni con ce ejército, n'est pas avec une épée ni une sino armée, con el poder sino avec le pouvoir Santo. De le Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! Y Dios pelea por ti. Dieu se bat pour toi. Dios pelea por ti. Il se bat pour toi. Alléluia! Alléluia! Bendito sea el Dios del Altísimo que entregó tus enemigos y tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham no conocía en ese tiempo, era el patriarca todavía. Il no, était un patriarche, no había la ley, il n'y avait pas la loi, no había enseñanza, il n'y avait pas d'enseignement de la dîme, de l'offrande, des prémices, comme il y a en Lévitique, il n'y avait pas la loi. Sin embargo,
Mais pourtant, il avait l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous emmène à être obéissants à Dieu. Vamos a, y esto qué representa, Hebreos 7:1-4, vamos a leerlo rápidamente. Hebreos 7:1-4. Porque aquí vamos a ver a quién le dio los diezmos. A qui Abraham a donné la tienda. Ahí habla de Melquisedec. Ça parle de Melquisedec. ¿Qué dice allí? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. ¿Quién era? ¿Qué dice más? ¿A quién asimismo dio Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, pertenece sacerdote para siempre, permanece sacerdote para siempre. Il demeure sacrificateur à perpétuité. Qui c'était? ¿Quién era el que estaba allí? Qui était là? Era Jesús. C'était Jésus. ¿A quién le dio Abraham? Abraham, ¿a qui a donné sa dîme? A Jesús. C'était Jésus. Le dio los diezmos de todo lo que tenía. Il a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Había ganado una guerra. Il avait gagné une guerre. Había ganado todo. Il avait tout gagné. Mira, te voy a decir algo. Je vais te dire quelque chose. A veces cuando no tenemos nada. Des fois, lorsque nous avons rien. Nous n'avons rien. Tu dis, Dieu, si tu me donnes un travail, je vais te dîmer, je vais offrander. Si tu me donnes un travail, je vais me consacrer à toi. Je vais te chercher davantage. C'est comme un couteau. Un couteau, ça sert à couper un morceau de viande. Ou tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un. Las cosas que nos da Dios, les choses que Dieu nous donne, si no las sabemos bien administrar, si on le sait pas gérer, se puede convertir en una maldición para nuestra propia vida. Devenir une malédiction pour notre propre vie. Porque hay cosas que a veces se convierten en excusas para no venir a la iglesia, pour ne pas venir à l'église, à la cellule, pour ne pas dîmer, pour ne pas offrander, pour ne pas prier, pour ne pas lire la Bible. Je n'ai pas le temps. Maintenant, je travaille beaucoup. Mira, Sansón. Regarde. Samson, il croyait qu'il était en train de jouer avec Dalila. Il a il jouait, si toi tu me lis, je vais être, ma force va s'affaiblir. Il se mit à jouer avec le diable. Dalila représentait le peuple ennemi, c'était les Philistins qui haïssaient toujours le peuple d'Israël. C'est une représentation du royaume des ténèbres. Et il se mettait comme une fille. Il se mit avec une philistin. Littéralement, comme une fille de las tinieblas. Avec une fille de ténèbres. Tenía un problema grave, il avait un problème grave. Muy fuerte. Il avait un problème très fort. C'était un problème sexuel. Era como un niño. Il était comme un enfant. Il était grand déjà. Il disait à sa maman, il disait, je veux cette femme. Et je veux cette femme. Il avait un problème grave. Il s'est mis à jouer avec Dalila. Il ne s'est pas rendu compte que chaque fois qu'il jouait, le diable l'entourait de plus en plus. Et on se rend pas compte. Ce dimanche, pas, je vais pas parce que je me sens fatigué. Listo. Estás listo. Tu es prêt. Estás listo, majo. Estás listo. Tu es prêt. El diablo ya se dio cuenta. Le diable s'est rendu compte et dit, ok, excellent. Cayó en nuestro juego. Il est tombé dans notre jeu. Dimanche prochain, il va le mettre encore plus de fatigue. On va le ramener son compère, son oncle qu'il n'a jamais vu, qu'il aime plus que Dieu. On va ramener son père, son grand-père. Para que empiece a dejar de pour venir qu'il a commence à laisser d'aller à l'église. L'homme commence à s'éloigner de Dieu, l'humain à s'éloigner de Dieu. Un dimanche, il ne vient pas, l'autre non plus. Poco a poco petit à petit, tu laisses, il laisse de prier un jour. Le lendemain aussi, il ne veut plus. Il a laissé de lire la Bible. Après, il a la paresse. Il laisse de dîmer un mois. Le mois d'après, c'est pareil. Apparemment, tout est bien.
Dios no está buscando matemáticos. Dieu ne cherche pas de mathématiciens. Los matemáticos, les mathématiciens dans le monde spirituel, ils errent par le désert. Il lui manque toujours. Il lui manque toujours. Parecería que tienen todo y parecería que están ordenados. Ils sont bien, l'enfant. Parecería que todo va bien. Il semblait que tout est bien. Pero no va bien. Mais ce n'est pas bien. Y te lo aseguro. Et je te l'assure. Y puedo poner mis manos sobre je fuego. Peux mettre mes mains dans le feu. Porque cuando tú no obedeces a lorsque Dios, tu n'obéis pas Dieu, tu n'honores no pas Dieu. Estás luchando en tu humanidad. Tu luttes dans ton humanité. Con tus fuerzas, con avec tes forces. Creyendo que lo que tú piensas está bien. En croyant ce que tu penses c'est bien. Haciendo tus propios cálculos en faisant tes calculs à ta façon. Sin dejar que el espíritu sans de laisser que l'esprit de Dieu te parle. Tu guía, tu consolador, y que mira, ton guide, ton consolateur, les choses sont comme ça. Quiero je veux te venir, je veux te mener par ce chemin de bénédiction. Amen. Amen. Quiero que camines por este camino. Je veux que tu marches par ce chemin. Este tema es muy fuerte. Ce no me sujet, gusta il était fort. Je n'aime pas prêcher. Je n'aime pas vraiment. Sí. No nos gusta los pastores predicar eso. Les pasteurs, on n'aime pas de parler sur la dîme. Estoy casi obligado por el espíritu je suis obligé par l'Esprit de Dieu de vous parler. Je sais que vous allez me lancer des tomates. Pero sabes una cosa, mais que tu sais une chose, je veux que tu comprennes spirituellement pour que tu ne souffres plus. Pour que tu ne laisses pas emporter par tes propres raisonnements humains, sinon tu commences à expérimenter la bénédiction de Dieu. Seulement, je te dis une chose. Un jour, j'ai prouvé, j'ai essayé, comme Marie-Hélène, elle a essayé aussi. Et que tu veux le laisser? Tu veux laisser? Je ne veux pas laisser. Tu sais pourquoi? Parce que ma bénédiction est là. Abraham, il dîmait. Dieu a choisi une femme pour son fils, la meilleure femme. Il a prié. Il a envoyé son serviteur. Il avait une confiance à 100% en Dieu. C'est pas lui qui a cherché, il a dit à son cherche une femme pour mon fils, pour cet homme. L'homme a prié comme prié son patron. Seigneur, prospère mon chemin. Je vais te mettre un signe. Si la femme qui arrivait à ce puits de voir au chameau, à voir moi, c'est la femme. Qui est venu? Rebeca. ¿Y cómo era Rebeca? Elle était comment? Era una mujer hermosa. Elle était belle. Despampanante. Wow. Elle était très belle. Si entrara Rebeca por aquí. Si elle rentrait par là. Los que andamos en la carne voltearíamos. Ceux qui sont dans la chair, ils vont retourner. Por eso dice la Biblia c'est pour ça que la Bible Isaac dit, tuvo que mentir Isaac y decir, a dû no mentir de dire ce n'est pas ma femme porque era bella como parce qu'elle était belle como Sarah. Caminaban et elle marchait et tout le monde, le pharaon tremblait. ¿Cómo es? 90, 60, 90, ¿no? ¿Así? C'était oh, 90, 60, 90. Y caminaba. Elle marchait. Et j'imagine que tout le monde était waouh. Le pharaon, à peine elle a vu, elle est à moi. Dans la nuit, Dieu lui a dit repends-toi, je te tue. Car l'homme qui est à ton côté, il est prophète. Mais le pharaon, il avait menti parce qu'il avait dit que c'était sa sœur. Mais pourtant, il a dit je vais te tuer. Dile que ore por ti. Dis-lui qu'il prie pour toi. Moïse tuvo que orar por él, pero también fue Abraham. Perdóname que ya estoy yéndome por Moisés. Okay. Así que Dios nos quiere bendecir. Dieu veut nous bénir. Abraham fue bendecido. Abraham a été béni. La mujer que vino para su hijo fue la mejor. La femme qui est venue pour son fils était la meilleure. Cuando tú honras a Dios con tus bienes, lorsque tu honores Dieu avec tes biens, todas las cosas, tus hijos van a ser bendecidos. Tes enfants seront bénis. Van a ser protegidos. Vont être protégés ou tu peux pas les protéger. Abraham lo que le enseñó a su hijo. Abraham a enseigné son fils. Abraham lo que le enseñó a su hijo fue a ofrendar y a dimar. Su nieto aprendió a dimar y a ofrendar. Son
petit-fils, dit à Dios, il dit mais aussi, il a su dit nieto à Dieu, le hizo una promesa son Dios, petit-fils a fait une promesse à Dieu, un vœu. Y le dijo a Dios, il a dit à Dieu que si él lo prosperaba, que si le prospérait, él iba a diezmar, il allait dîmer todos los días de su vida, tous les jours de sa vie. Hizo una libación en una piedra, il a fait une, en una piedra, hizo una libación, le echó vino, pierre, libación es vino. Il a, du vin, il a fait une alliance avec Dieu. Piedra, dans cette pierre, sueño, il a eu un songe et Dieu l'a prospéré. La il est arrivé à Laban pour travailler pour amada, siete años. Son aimé. Il a travaillé pendant 7 ans. Llegó il est arrivé sans rien. Pelao, se dice, cuando uno tiene nada. Il n'avait rien sur lui. En Colombia, se dice pelao. En Colombia dit comme bon. No? Pelado es el chico. También pelado. En Perú decimos pelado. Il n'avait rien. Nada. Ni por aquí. Así, ni por acá. Rien de la poche. Nada. Il n'avait rien. Se fue corriendo. Il est parti courant. De su hermano que quería matarlo. En fuyant de son frère qui voulait le tuer. Il n'a pas eu le temps de prendre quelque chose. Et Laban l'a fait travailler. Et Dieu l'a prospéré aussi lorsqu'il a fait cette alliance. Après cette si alliance, si tu me prospères, je vais te dîmer tous les jours de ma vie. Il est arrivé chez Laban. Il a fait travailler. Il a fait travailler de plus. Mais pourtant, il a commencé à payer avec des brebis. Y en aquel tiempo todas las ovejas eran blancas. À cette époque, c'était, les brebis étaient blanches. O negras, creo, blancas. Ou noires. Y Laban hizo un trato Laban a fait con Jacob. Y le dijo, un accord à partir de Magnon, celui qui était taché. Il avait quatre. Cuatro así, ovejitas. Le dijo, ese es para ti. Ça, c'est pour toi. Y Laban sabía que Laban, no salían esas ovejitas. Salían solamente... 3, 4, il avait 3, 4 par là. En un mes, dos meses, dans un mois, en 6 mois, il y avait 4, 5. Il a dit, bon, je vais faire une bonne affaire. Une bonne affaire. À partir de maintenant, toutes les pintadas vont être pour toi. Tachées, ce seront pour toi. Et la bénédiction de Dieu est arrivée. Dieu a écouté, donc eux, ceux qui sont tachés seront pour mes serviteurs. Jacob, celui qui m'a promis qu'il va aller dîmer et offrander, il a dit ok. À partir de maintenant, je vais le prospérer. Et la Bible dit qu'au lendemain, il commençait à sortir les brebis tachées. Au lendemain, l'autre jour, alléluia! 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 C'est le secret de la dîme, de l'offrande, de la prémisse. C'est le secret de Dieu. Dios te quiere prosperar, Dios Dieu te veut te prospérer, Dieu veut te bénir, Dieu veut te donner lee de plus. Lais ce verset pour que tu puisses comprendre que Jacob, il est arrivé à avoir plus que Laban, et des millions et des millions de brebis, de façon qu'il a eu pour offrir à son frère, à tout le monde, lorsqu'il se rencontre avec son frère. Il a envoyé mille brebis, de mille de... Littéralement, de mille... 5 escuadrones de gente que les regalaron a su hermano. Y cuando llegó a su hermano le dijo, est arrivé à son frère, porque su hermano lo odiaba y lo quería matar. Quand son frère, il mira cómo haïssé, Dios cambió il el corazón tuer, de su hermano Dieu, a causa Dieu de ese hombre que había aprendido frère, a llamar, a ofrendar y a honrarle a Dios. Appris à honorer Dieu. La Bible dit lorsqu'il s'est rencontré avec son frère, son frère il l'a vu et j'en ai pas besoin de ça. Il a enlacé, ils ont pleuré, ils se sont réconciliés. Car Dieu fait des miracles surnaturels. Lorsque tu es obéissant, ferme tes yeux où tu es, Père. Merci. 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 Tu palabra ha sido impartida y transmitida. Ta parole a été transmise. Tu lanzas tu palabra y tú la prosperas. Tu lances ta parole y tu la prospères. Dios mío, en Mon esta Dieu, esta hora. Maintenant. Si hay alguno que llegó y todavía no subió, si hay quelqu'un qui est arrivé, n'a pas donné la dîme, l'offrande. Les paniers sont là. Si quelqu'un veut le faire maintenant, il peut le faire. Padre, gracias. Père, merci. Por este momento especial. Por ce moment spécial. Estamos aprendiendo tu palabra. Nous sommes en train d'apprendre ta parole. Como la clave de la bendición la clé de la bénédiction spirituelle. Para que seamos bendecidos. Porque nous soyons bénis. En todo. En tout. Porque el diezmo no solamente car la dîme ce n'est pas seulement no solamente es que nos vas a dar dinero. Que tu vas pas nous donner l'argent, c'est pas seulement ça. Sino que vamos a permanecer sanos. Sino que on va
être guéri. Vamos a permanecer libres. Saint, libre. Tu nos vas a liberar. Tu vas nous délivrer. Vas a cuidar nuestros hijos donde nosotros no podemos cuidarlos. Soin de nos enfants où nous pouvons le faire. Tu vas garder, prendre soin de notre couple. Vas a cuidar nuestros bienes. Nos biens. Vas a reprender al que tu quiere la plaga o aquello que quiere venir a destruir. Celui qui vient pour détruire. Tu lo reprenderás. Tu vas le menacer, chasser. Y vamos a vivir en paz, en alegría. Y nous allons vivre en paix, en allégresse, en sécurité, sous son manteau de grâce. Te damos toda la gloria, nous te donnons toute la gloire, Jésus, et l'honneur à toi. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.